Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment downgrader votre iPhone, iPad, iPod qui se trouve sur l'iOS 7.1 en bêta. Donc ce tuto fonctionne sur n'importe quelle bêta tant que vous avez l'IPSW de la version précédente. Donc ce fameux IPSW, vous pouvez télécharger sur ce site, donc ipsw.downloader.com. Il y aura un lien dans la description. Donc vous êtes sur le home, donc la page d'accueil. Vous choisissez votre appareil, ensuite son modèle, et pour finir, vous allez choisir le firmware. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Download. Si ça ne fonctionne pas, vous pouvez réessayer. Vous avez ici après le lien qui apparaît, vous cliquez dessus, et hop, il va se mettre. Moi je l'ai déjà donc c'est pas nécessaire. Une fois que vous l'avez téléchargé, donc vous devrez ouvrir iTunes. Donc comme vous pouvez voir, je suis en 7.1, comme je vous l'ai dit. Et donc vous devez cliquer sur Restaurer l'iPad, mais ce que vous devez faire, c'est appuyer sur Alt, et tout en appuyant sur Alt, justement, cliquez sur Restaurer l'iPad. Donc là, vous venez localiser l'IPSW en question. Donc par rapport à votre iDevice, c'est celui-ci, et vous faites ouvrir. Là, il vous prévient comme quoi il va effacer et restaurer votre iPad à la version iOS 7.0.4, et puis il vérifiera la restauration près d'Apple. Donc vous faites restaurer. Là, il extrait le logiciel qui est présent dans IPSW, parce qu'il faut savoir qu'à chaque mise à jour, surtout les grosses comme ça de 7.1 et ainsi de suite, pas quand c'est 0.1, il y a des mises à jour internes qui sont du logiciel interne même. Et donc ben, il doit corriger après ces mises à jour-là. Alors à ce moment-là, donc quand il mettra en attente de l'iPad, donc l'iPad va s'éteindre. Et donc la pomme va s'allumer. Et donc justement le processus est en train de s'enclencher. Et donc ne touchez surtout pas à l'iPad, ne le débranchez pas et faites en sorte que vous ayez assez de batterie pour l'opération. Donc ensuite, après, il passe à la restauration du logiciel de l'iPad, donc c'est-à-dire le logiciel de l'iOS 7.0.4 pour l'instant. Et donc voilà, maintenant il passe à la restauration du programme interne de l'iPad. Et donc il a quasiment fini. Et là, quand la restauration est faite, il le redémarre. Donc là, il vous prévient. Donc ce message disparaît dans une seconde. Et donc là, vous voyez, iTunes s'est coupé. Et donc l'iPad est bien restauré. Donc là, on va laisser le temps de redémarrer. Et je vais bien vous prouver comme quoi il est passé maintenant en 6.0.4. Donc, lorsqu'il redémarre, là vous avez toujours une barre de chargement, donc ça ne vous inquiétez pas. Dès que c'est fini, dans quelques minutes, paf, directement, il aura fini de redémarrer. Donc vous voyez là, il est en train de être lu par l'ordinateur. Alors, petite chose à savoir, maintenant l'iPad est verrouillé sur un identifiant Apple, donc si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas le restaurer. Donc c'est une petite sécurité, c'est pas mal, je trouve. Donc vous devez taper vos identifiants. Et ensuite cliquez sur continuer. Et donc voilà, donc il vous prévient comme quoi ben, vous êtes la bienvenue sur votre nouvel iPad. Donc comme vous pouvez le voir, maintenant on est en 6.0, en 6. Pardon. Donc maintenant, comme vous pouvez le voir, on est en 7.0.4. Et donc voilà.